Yahoo, dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau titre et on va parler du manga Welcome to the Chemistry Lab. Donc, Welcome to the Chemistry Lab est un manga en 2 tomes des éditions Asuka. C'est un manga qui date de 2004 au Japon et de 2010 en France. Nous sommes sur une œuvre qui est dans le genre tranche de vie, drame, érotique. Et nous sommes sur une série qui est de Rei Honjo, qui est un mangaka qui a 3 autres tomes, si je ne dis pas de bêtises, de disponibles en France. Et voilà, en ce qui concerne le manga, pour ce qui est de l'âge conseillé, je dirais donc du coup le nouveau 16 ans, parce que en fait on voit, alors 16 ans ou 18 ans, ça c'est à toi de voir. Parce que dans le premier volume, c'est flou, c'est des ombres, c'est tout ce que tu veux. Dans le volume 2, on voit, mais on voit pas, tu vois, genre tout en détail avec les veines, les machins. On aperçoit, c'est dessiné, mais c'est pas voilà, ultra travaillé. Et c'est une image à droite, une image à gauche. C'est pas aussi détaillé vraiment que ce qu'on peut considérer comme hentai 18+, comme ce que j'ai du coup considéré comme par exemple Je préfère en aventure ou Lost Virgin, où on voyait vraiment tous les détails, etc. Où c'était... Mais le personnage masculin, enfin le masculin, ça y a, il y a que de ça. Mais tout simplement, le personnage va avoir à un moment donné les mains attachées, après les yeux bandés, après il va avoir un truc un peu plus attaché à un objet et abandonné quelques heures en juste en chemise et pas de pantalon, pas de rien en bas, et attaché pendant plusieurs heures, limite pendant tout un cours, dans une pièce abandonnée. Voilà, il y a des trucs comme ça, donc trigger warning. Après tu vois, tu fais ce que tu veux et je t'explique donc la partie suivante mon avis sur tout ça. On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin, où je te dirais très clairement on est sur quelque chose qui date de même de 2004. Donc voici ma note. Pour ce qui est donc du manga, comme je te l'ai expliqué pendant l'intro, on a quand même... Alors, on va suivre les aventures d'un élève qui va dans un club de chimie, sauf qu'il n'y a aucun autre élève sauf lui. Il y en a 4 qui sont inscrits comme ça juste pour le fun, mais après ils ne viennent pas. Et ça tombe bien pour notre élève qui est présent, parce qu'il est tombé amoureux de son prof et qui se dit, bah comme ça je suis tout seul avec lui. Et ça va forcément déraper en relation entre prof et élève. Malheureusement, enfin ça dépend de la vision des choses, moi personnellement ça a pas du tout, j'ai pas du tout accroché à la façon dont c'était abordé. La relation entre le prof et l'élève me met très mal à l'aise. Je ne suis pas du tout du genre à être mal à l'aise quand il y a une relation prof et élève, parce que je suis ok, ça me choque pas, ça me dérange pas. Je me fous complètement de ces trucs de faux pas entre prof et élève. Bref, voilà, je suis quelqu'un quand même de très ouvert d'esprit, donc ce n'était pas du tout ça qui m'a mis mal à l'aise. C'est plus le personnage du professeur qui me met très mal à l'aise, et aussi son comportement un petit peu dominateur, voilà, un petit peu... Disons qu'à un moment donné, il va carrément attacher les poignets du garçon sans vraiment lui demander autorisation, etc. Il va le faire, point barre. En gros, tu subis. Après, un peu plus tard, il va donc lui bander les yeux et pareil, le jeune homme n'est pas du tout trop ok. Après, on ne montre pas non plus que c'est pas du tout des viols, vu qu'il est consentant et il veut le faire avec le prof parce qu'il s'aime, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, le personnage qui est donc l'élève, il n'est pas trop ok, tu vois, pour ça, quand il s'est fait attacher les mains, quand il s'est fait bander les yeux. Après, carrément, là, j'ai trouvé ça un peu plus violent, on va dire. Il a attaché, je crois, une espèce de petit escabeau dans une salle. Disons les choses clairement, comme je te l'ai dit, cul nu, avec juste une chemise et ouverte. Il était attaché et le prof s'est barré genre pendant tout un cours et il est revenu après en lui disant « Oh, c'est bien, t'as été sage et tout. » Et l'élève, il est toujours amoureux de ça. Voilà, donc c'est un petit peu... C'est encore quand t'es consentant, comme certains mangas shoujo qu'on a pu avoir, où c'était des relations comme ça, où c'était des relations un petit peu... oser, provoque, des jeux voilà, des jeux d'adultes, ça me dérange pas. Mais là, en fait, à chaque fois, l'élève, il est pas trop happy de ça, donc voilà, ça m'a mis très mal à l'aise. Le caractère du prof est assez spécial, on sait pas grand chose sur lui, c'est un côté très mystérieux.
Ok, ça peut le faire, mais là, ça ne l'a pas fait. Et ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on est tellement concentré sur les passages de la journée où notre élève va retrouver son prof, va avoir des relations avec son prof, va réviser des cours, parce qu'il révise quand même des fois, il apprend des choses quand même pendant ses cours de club. Mais j'ai trouvé ça un petit peu malaisant. Du coup, personnellement, je te dirais que je n'ai pas lu le tome 2. J'ai même fini, je crois, un chapitre quasiment avant la fin du tome 1, parce que je n'étais pas du tout à l'aise et que j'avais l'impression de... Comment dire? C'est comme si le fait de continuer, même de finir ce tome 1, faisait que j'acceptais ce genre de relation. Désolée, pour moi, c'est toxique, des personnages, et donc du coup, j'ai préféré arrêter. Je voulais au départ même pas faire une vidéo et juste en parler lors d'un bilan lecture, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je développe et que je mette en avant, parce que justement, quelqu'un peut très bien se dire, moi, je me rappelle pas du tout que les trois autres œuvres de l'auteur, et je les ai encore normalement. Soit dans le genre comme ça, domination, etc., sans consentement de l'autre. J'ai pas du tout accroché, et donc je me suis dit, si jamais quelqu'un d'autre a accroché aussi aux autres titres de l'auteur, mais qu'il soit pas du tout comme moi, ok pour ce genre de titre, bah voilà. Après, ça aurait été vraiment un manga, enfin BDSM, sub-dom. Voilà, dominance, soumis, le soumis joue le rôle, le dominance joue son rôle, machin, etc. Je suis ok, hein, je suis même des comptes, je le redis sur TikTok, etc. De personnes qui font du BDSM, qui apprennent, qui te donnent des informations sur le BDSM, parce que j'aime bien apprendre des choses. Voilà, j'aime les mangas où il y avait des jeux comme ça, je sais plus quel auteur avait fait ça dans un titre. Ça m'avait pas dérangé du tout qu'il y avait des jeux comme ça adultes. Faut pas dire le mot que j'aime pas trop dire. Mais voilà, mais là franchement, ça m'a déplu, ça m'a mis très mal à l'aise. Et c'est surtout qu'à chaque fois, le personnage n'était absolument pas ok. Et en fait, une des règles du BDSM, c'est justement que l'autre soit ok aussi. Oui, on fait la dominance. Mais on va pas non plus imposer quelque chose à l'autre qui ne voudrait pas. Il y a une histoire de respect dans le BDSM. Après, je ne suis pas calée, hein. Mais voilà. Donc, ça m'a pas du tout, du tout, du tout plu. Bref, je m'arrête là et je pense que tu auras compris. Et je ne peux pas mettre de notes vu que je n'ai pas fini la série. Donc, pour ce qui est des couvertures, honnêtement. Déjà, il y a un personnage, j'ai pas compris qui c'était. Lui, j'ai pas capté qui c'était, donc lui, c'est le personnage clé. Là, c'est le frère. Ça, c'est voilà, les deux meilleurs amis. Mais lui, j'ai pas compris parce que de base, il y a un prof et là, c'est pas un prof. Et en plus, surtout, je vois pas d'autres personnages en plus. Ou alors, j'ai pas suivi avec les deux parce qu'ils se ressemblent. La seule différence, c'est qu'il y a un grain de beauté. Toujours est-il, ici, on voit un peu mieux. On voit donc les deux qu'on voyait en haut. Parce que c'est version adulte. Donc lui qui est ici et ici au niveau de mon pouce, ça c'est le prof. En haut, tu vois bien après que c'est le frère et l'autre. Ouais, j'ai pas enlevé l'étiquette parce que très clairement ça m'a gonflé. Pour ce qui est de l'arrière, là c'est le même genre, tu vois, avec des papillons, des personnages, pas très très emballés. Qu'on enlève la jaquette, c'est la même chose en noir et blanc, donc rien à dire. Je sais plus du tout s'il y a un récap des personnes. Non, on a un mot de l'auteur, un long mot de l'auteur, des explications, des machins. Voilà. Si, il y a un résumé. Voilà, avec les personnages. Voilà. On a pas mal de choses. Pour ce qui est du tome 1, le tome 2 a failli se casser la gueule. Hop. Et tada. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère quand même qu'elle t'aura présenté un titre que tu ne connaissais peut-être pas et donc peut-être aussi éviter éventuellement un achat. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas d'aller voir les deux précédentes vidéos Yaoi, parce que je peux pas faire Asuka. Yaoi que je t'aurais présenté, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye!